du Clout pour la montre Jazz TV. Le festival a commencé depuis 2 jours. Content? Ça va être un peu masochiste pour ne pas être content, parce que pour moi le festival marche quand je vois la tête du public, quand je vois le sourire des musiciens, quand je vois que cet endroit, on l'a ouvert il y a 2 heures de temps, on est en train de rôder. Tout le monde l'appelle déjà le mandarin, on va voir un peu au mandarin. Ce premier week-end, il est dédié aux fondamentaux du blues et du jazz. C'est un retour aux sources pour la montre jazz. Alors, quand on a des vieux copains, on tâche de les garder. Alors, quand on commence, pour moi, il y a plus de 40 ans, avec Santana en 1970, c'est clair qu'ensuite, on regarde, on voit régulièrement qu'est-ce qu'on peut faire de spécial. Demain soir, la soirée avec B.B. King, Santana, de nombreux autres artistes. Hier avec John McLaughlin, un sommet de la guitare. Dans la mesure où on arrive à renouveler le côté créatif des musiciens, je vous appelle les vieux schnocks, eh bien on fait quelque chose d'important et de différent de n'importe quel autre festival dans le monde. Les jeunes, surtout ceux qui n'ont pas des gros moyens, les étudiants, peuvent passer des soirées fantastiques au festival sans bourse déliée. Et puis ça, c'est également unique, parce que les autres festivals, que ce soit en Suisse ou en Europe, si on va aller ne serait-ce boire qu'une bière, il faut avoir un ticket d'entrée. Ce n'est pas le cas à Montreux et je suis très heureux. On continuera comme ça. Il y a des surprises qui sont prévues? Alors, on n'arrive plus à suivre avec le service de presse. Il dit « Arrête !» Voilà. Alors maintenant, on a rajouté Ruben Blades, Chaka Khan, Patty Austin. Tous les jours, ce soir, on va avoir peut-être un invité surprise, Monty Alexander, le pianiste. Les gens viennent spontanément et on aimerait faire quelque chose. Aujourd'hui, Suzanne Tedeschi a joué avec Carlos Santana, ce n'était pas prévu. Hier soir, il y a aussi un tas de choses qui sont passées qui n'étaient pas prévues et qu'on a la chance de ne pas avoir d'heures de police ou de syndicats qui bloquent, comme c'est le cas en France, un concert parce que leur syndicat est passé. Donc, on continuera à faire des moments très forts ici.